Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Floki qui va à la conquête de la Chine. Ensuite, nous allons parler de Tron qui a failli vraiment se faire hacker de plus de 500 millions de dollars. Nous allons parler aussi un temps soit peu de Baby Doge. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, c'est vrai que nous sommes dans un coin assez paradisiaque. Voilà, du côté d'Anibilekoro. Voilà, donc ce matin, nous allons parler, disons, de Floki. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, Floki est à la conquête de la Chine. Voilà, donc ça, c'est l'annonce que Floki a fait sur son site officiel Twitter. Alors, après l'Europe, Floki s'attaque maintenant à la Chine. Alors, pourquoi Floki s'attaque à la Chine Pourquoi Floki met plus d'accent maintenant sur la Chine Parce que, voilà, selon JP Morgan, la Chine va faire une évolution de, au niveau du PIB chinois. Le PIB chinois, alors, selon euh, les analyses de JP Morgan, alors JP Morgan dit que la Chine va faire euh, vraiment une évolution au niveau du PIB de plus de 4%. Voilà, et alors, ce qui va correspondre à plus de 2,5%, à en fait, 2,5 fois plus, euh, le, comment on appelle, les statistiques niveau mondial. Voilà, donc 4 fois plus ce que les États-Unis n'avaient pas espéré. Alors, ce qui veut dire quoi? L'économie va aller vers la Chine. Alors, ce qui veut dire quoi? Que toutes les startups naissantes alors vont aller vers la Chine. Alors, l'argent va aller du côté chinois. Alors, pourquoi je le dis? Parce que, aussi, les BRICS, si vous ne le savez pas, les BRICS aujourd'hui sont en train de créer même leur monnaie. Alors, les échanges au niveau du pétrodollar, euh, va voilà, au niveau de l'Arabie Saoudite, ce n'est plus avec le dollar, alors c'est avec le yen chinois maintenant. Alors, ce qui veut dire quoi? Le premier mondial au niveau du pétrole, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, on va dire, a fait un break avec les États-Unis. Alors, ils ont décidé désormais de faire les échanges vraiment euh, côté commercial, non pas avec le dollar, mais avec le yen chinois. Alors, pourquoi maintenant les développeurs de Floki ont mis beaucoup plus l'accent sur la Chine Alors, ils ont commencé par un premier truc, c'est-à-dire le Valala, qui est le métavers de Floki. Alors ce valala, ce jeu de métal vert là, alors ils ont créé la version chinoise pour que euh, tous les Chinois puissent euh, avoir accès à ce jeu. Ensuite, euh, ils se sont mis maintenant au niveau des différentes plateformes. Alors ils sont allés précisément vers les jeux euh, situés les tournois de tennis, de rock. En fait, plusieurs tournois, voilà, au niveau de la Chine ont commencé à intéresser. Floki, ils ont fait pas mal de partenariats dans ce domaine-là. Alors, Floki fait tout pour se donner de la visibilité au niveau de la Chine parce qu'il sait déjà que l'économie, aujourd'hui, les États-Unis étant premier, Alors, eh, avec euh, cette perte de la vitesse du dollar en termes d'autonomie, de, 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 en, en termes aussi de valeur actuelle, de refuge, parce que depuis lors... Et nous savons que c'est le dollar qui était la valeur refuse. Tous les échanges se font au niveau du dollar. Maintenant, c'est le, le yen chinois. Alors, eux, ils ont vu ça venir. Alors, ils ont créer beaucoup de partenariats avec les Chinois, voilà, à travers des jeux, voilà, des jeux de tournois, euh, au niveau, euh, comment on appelle, des tennis de table, des tennis euh, que vous connaissez habituellement, en tout cas, pas mal de jeux. Alors, intéresse aujourd'hui. Alors, c'est tout ça qui fait que, voilà, et cette pièce va continuer de... De, de s'asseoir, de trouver une place de choix, surtout dans le domaine de la crypto-monnaie. Pourquoi Parce que, voilà, eh, qui dit crypto-monnaie dit qu'il faut donner de l'utilité à votre crypto-monnaie. Alors, si votre crypto-monnaie a de l'utilité dans la vie réelle, ce qu'on appelle les irl alors une real life. Alors, donc, si vous savez que votre crypto-monnaie a une utilité dans la vie réelle, alors cette crypto-monnaie va avoir ce qu'on appelle des fondamentaux assez solides. Alors, grâce à ces fondamentaux assez solides, que la crypto-monnaie va pouvoir s'implémenter et va pouvoir se faire connaître. Et donc, comme les gens vont l'utiliser pour les différents échanges, alors la crypto-monnaie va finir par prendre de la valeur parce que c'est rentrer dans la vie réelle, c'est rentré dans la vie voilà, de tous les jours. Il ne reste pas simplement spéculatif, mais il rentre dans la vie réelle pour pouvoir permettre de faire des échanges. Parce que vous voyez déjà que Binance a admis Floki sur sa plateforme. Non seulement avant cela, Binance avait déjà ajouté Floki dans les différentes boutiques, voilà où vous pouvez payer des articles avec Floki. Alors tout ça pour dire que Floki est déjà rentré dans la vie réelle. Alors n'oubliez pas que 200 millions de commerçants, voilà, utilisent Binance Pay. Alors Floki est déjà listé là-bas. Donc, vous comprenez que c'est déjà une crypto-monnaie qui était déjà prédestinée à être listée sur Binance, Donc ce listing que nous avons vu voilà, il y a quelques semaines de cela. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous ne savions pas. On ne savait pas que c'était simplement quand qu'ils allaient le faire, mais nous savions qu'avec tous ces fondamentaux qui ont été mis en place, ils allaient le faire. Alors, autre information, voilà, nous allons parler aussi un temps soit peu de Tron. Alors, Tron a failli se faire hacker de 500 millions de dollars. Pourquoi Parce que ce qu'on appelle les multisignatures qui devraient être faites, il y avait un bug dans, ce, dans, ce, dans ces multisignatures-là. Alors, Dieu merci, voilà, eh, Tron a été alerté très, très rapidement. Alors, ils ont pu éviter le pire. Alors, sinon, si un hacker avait vu cette faille de sécurité, il aurait pu ponctionner plus de 500 millions de dollars dans le protocole Tron. Alors, le protocole Tron aujourd'hui est assez élevé en termes de. De ce qu'on appelle TVL, qui est la valeur ajoutée bloquée. Alors, la valeur ajoutée bloquée au niveau de la liquidité de Tron, c'est plus de 6 milliards de dollars qui sont bloqués dans la liquidité de Tron. En termes de, de stablecoins, son stablecoin qu'on appelle le, le. Comment on appelle Voilà. Euh, L'USDT. Voilà, l'USDT a une valeur, on va dire, une capitalisation qui tourne autour de 45 voilà, milliards de dollars. Pourquoi Parce que euh, c'est un stablecoin qui est, on peut dire, le premier stablecoin qui est le plus utilisé. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont mis beaucoup d'argent. Alors, quand vous voulez stabiliser vos différents avoirs en crypto, pour éviter la volatilité, vous, vous utilisez le stablecoin qui est USDT. Ce n'est pas le seul d'ailleurs. Voilà, il y a le DAI qui est aussi collatéré sur le Bitcoin. Alors, il y a plusieurs eh, stablecoins qui existent. Mais comme Tron est beaucoup utilisé, alors son stablecoin qui est le USD, qui est l USDT, le l'USDT aussi qui est beaucoup utilisé. Alors, tout ça aussi donne de la crédibilité au Tron. Alors, cette faille de sécurité qui a été colmatée très rapidement, vraiment a évité le pire à Tron. Alors, n'oublions pas que Justin Sand, qui est le CEO de Tron, est attaqué voilà, par la justice américaine actuellement. Alors, il ne faut pas encore venir mettre de l'huile sur du feu voilà, avec ce hack potentiel qui, était probablement, voilà, qui allait mettre en tout cas Tron dans une situation inconfortable. Alors, Dieu merci, le pire a été évité. Autre information, nous sommes habillés en baby doge, alors nous parlons aussi en tant que de notre petite crypto monnaie baby doge. Alors baby doge a atteint plus de 1,85 1 ,1 million, eh, on va dire 1 million 000 abonnés sur Twitter. Alors c'est un espoir. Alors ça démontre que baby doge est une communauté aussi assez dynamique. Maintenant, quitte à baby doge, voilà de pouvoir Agit très rapidement pour réduire l'offre en circulation parce que c'est le seul problème qui fait que cette petite crypto monnaie n'a pas encore été listée sur binance parce que son, son, son supply voilà, est assez élevé, l'offre en circulation assez élevée, donc c'est ce qui fait que voilà cette crypto monnaie n'a pas encore pu faire cette ascension que beaucoup de personnes attendent. Alors nous espérons que eh, avec eh, vraiment les différentes critiques que les utilisateurs font, alors ils vont pouvoir eh, réagir. Sinon, nous savons que les 100 quadrillons qui vont être brûlés le premier. Alors, les 100 quadrillons, étant donné que c'est dans un pont, alors c'est comme c'est dans un croque-chaîne. Alors, nous, nous attendons pas à ce que cela ait vraiment l'influence que vous attendez, peut-être une évolution au niveau du prix. Alors, je ne pense pas que cela va avoir l'impact, cette brûlure va avoir de l'impact sur le prix. Alors, ils seront mieux de pouvoir toucher le côté du B, de tout ce qui est BP20. Voilà, parce que c'est là-bas qu'il y a plus d'un million voilà, d'utilisateurs, de, de, de plus, plus d'un million de détenteurs de baby-doge, c'est là qu'ils doivent se concentrer et surtout, surtout, sur la partie de la pièce qui est, comme on appelle, en circulation. Voilà ce que je pourrais vous dire, ce soir, sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro est aussi dans, dans, dans la description de cette vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La prochaine formation, alors, elle est prévue à main. Alors c'est prévu le 2 et le 3, c'est-à-dire dans quelques jours, nous serons à main. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour vos différentes inscriptions. Voilà, tous ceux qui sont dans la zone de Biancouma, Diokoué. voilà la zone en tout cas de Mans. Voilà, donc rentrez en contact avec le leader pour pouvoir vous inscrire afin que nous soyons là-bas pour pouvoir interagir ensemble. La formation concernant la ville de, de San Pedro s'est prévue le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle David Joseph et son acolyte Sango pour vos différentes inscriptions. Abidjan, alors vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Bill, que je salue au passage. Voilà, donc cette formation aura lieu le 8 et le 9 juillet prochain. Rentrez en contact avec le, ce leader, avec le leader Bill, le leader Bill, le leader Elisabeth, que je salue aussi. Voilà, pour. Les différentes inscriptions, la formation concernant la ville de Gagnoua, voilà, cette formation aura lieu le 24 et le 25 juin prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Diomandé pour les différentes inscriptions au niveau de la ville de Gagnoua. Tous ceux qui sont dans cette zone, ici, qui sont dans la zone Doumé, tous ceux-là peuvent interagir avec Gagnoua. Information. Alors, tout ce qui est des autres villes, voilà, vous devez interagir. Alors, telle que la ville d'Abengourou. Voilà, parce que je ne suis pas loin d'Abengourou actuellement. Voilà, donc vous pouvez rentrer en contact au niveau du de, de leader IAPI. Voilà, alors cette formation, c'est prévu le 27 et le 28 juillet prochain. Alors vous devez interagir avec lui pour les différentes inscriptions. Au niveau du Burkina Faso, alors vous allez interagir avec le leader qu'on appelle Alassane pour les différentes inscriptions dans cette zone. Alors ça, c'est prévu. Voilà, juillet prochain. Rentrez en contact avec ce dernier-là pour, pour pouvoir vous inscrire afin que nous soyons aussi à Waradougou. Voilà pour la formation privée, voilà la formation euh, de tous les jours que vous connaissez. Voilà cette formation habituelle où on a déjà fait plusieurs éditions. Au niveau du Burkina, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Dieu Donné. Pour la formation privée, c'est avec le leader à la Alassane que vous devez interagir. Sachez toujours que la formation voilà, restera toujours cette chose-là qui va vous permettre de toujours interagir et de faire des plus-values dans le monde de la crypto-monnaie, que nous soyons en baisse ou que nous soyons en, euh, dans une période haussière. Alors, peu importe la période, vous pouvez faire des gains parce que voilà, tel que vous êtes formé, vous pouvez vous en sortir. Alors sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance.